Good morgen, allez, Iden Metsus aujourd'hui, les Lunishmat, David Munfortuna Mazal Fritna et Lucien Batraina, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions au Sérin Nedarim, Père Yudalef, Mishnah Yudalef. Konam She'eni Nehene le Abba, ou le Avicha im Osa Ani Alpicha. She'eni Nehene lecha, im Osa Ani Alpi Abba, ve Alpi Avicha, Arei Ze Yafer. On reprend un petit peu le sujet qu'on a évoqué dans une Mishnah, je crois que c'est la Mishnah d'Alet, où on s'intéresse à savoir quelles sont les choses qui sont dvarim chez Beno le Bena. Soit, pour rappel, le mari, lorsqu'une femme prononce un neder, le mari a la possibilité d'annuler ce neder s'il appartient à un des deux groupes des nedarim. Soit c'est dvarim chez Bem Inouï Nefesh, soit c'est dvarim chez Beno le Bena. Soit c'est des choses qui atteignent à la souffrance de la femme, la Torah donne la possibilité. Les Anot Nafesh, une femme, elle veut se faire souffrir, son mari, il a le droit de lui dire « Non, je ne veux pas que tu te fasses souffrir », et il lui annule son Neder. Et à part ça, il y a un autre groupe de Nedarim qu'on appelle les Dvarim chez Beno le Bena, les choses qui l'affectent à lui, qui lui font honte, qui le gênent. Et ça c'est vaste, parce que finalement, on a dit qu'il peut être dérangé par toutes sortes de Nedarim, mais il a concrètement la possibilité d'annuler que ce qui le touche directement à lui. En l'occurrence, dans la Mishnah d'Alet, on avait vu que, par exemple, si ma femme, elle s'interdit de profiter de moi, alors là, il y a en théorie un problème de nedarim, parce que là, c'est quand tu profites de moi, alors quoi, je vais me sentir tout seul. Alors je peux annuler son neder, parce que ça me concerne. Mais si elle fait le neder de ne plus profiter de mes parents, ou de ses parents même, alors là, je ne peux plus lui interdire le neder, dans la mesure où moi, ça ne va pas m'atteindre à moi directement, me causer une perte d'argent ou pas, d'accord? On avait évoqué la complexité quand même, et concrètement, retenez le sujet, donc retenez le principe. Mes parents ou ses parents, c'est pas quelque chose que je peux annuler, mais moi, c'est quelque chose, ça s'interdit de profiter de moi, je peux annuler. Ok? Maintenant, ce qui va se passer dans notre Mishnah, c'est qu'elle va conditionner l'un par l'autre. Et on va voir que le mari va pouvoir annuler les deux nedarim, il y a deux cas de figure. D'abord, je vais traduire, après on essaye d'expliquer un petit peu mieux la signification du neder. Et quel était le chidouche de la Mishnah. Konam sheni ne'enit le abba ou la vicha, je fais le neder que je profite plus de ton père ou de mon père, imosa ni alpicha. Si je te fais à manger aujourd'hui, je profite plus de mon père. Ou bien, elle fait le contraire, ou bien, sheni ne'enit lecha, je ne profite plus de toi si jamais je fais quelque chose à mon père ou à ton père. Sheni ne'enit lecha, imosa ani alpi abba, l'alpi avicha, dans ces deux cas de figure, arrêtez y affaire. Dans les deux cas de figure, la Mishnah me dit qu'il peut annuler le neder. Concrètement, donc, faites attention. Il y a l'objet du neder et il y a la condition du neder. D'accord? Et en fait, en théorie, si elle s'interdit quelque chose, elle s'interdit de moi, je pourrais annuler. Si elle s'interdit quelque chose qui concerne son père ou mon père, je ne peux plus annuler. Ce qui se passe dans notre Mishnah, c'est qu'elle pose un il va être la condition de l'autre. Et en fait, concrètement, il y a dans le premier cas, alors elle va interdire. Le contenu de son éder, c'est de ne plus profiter de ses parents si elle fait quelque chose à moi. En fait, si vous analysez la phrase, vous voyez qu'en fait elle est fâchée avec moi. Elle me dit, je te promets, je te jure que je te fais rien si jamais, je jure que je profiterai plus de mon père ou de ton père. Genre on n'ira plus passer les fêtes là-bas, on n'ira plus en vacances chez eux ou je sais pas. Si jamais je te fais quoi que ce soit, donc en fait elle est fâchée avec moi, et que si jamais je veux lui faire quoi que ce soit, elle s'interdit de profiter de mes parents. Donc si elle va faire quoi que ce soit pour moi, elle s'interdit de profiter de mes parents. Donc en fait concrètement elle est en train de s'interdire de profiter de moi ou de faire quelque chose qui a un rapport avec moi. Ça c'est sûr que je peux annuler. Mais même dans le cas un peu inverse, où en fait, Cheyenne, je te jure que je profiterai pas de toi si je fais quelque chose pour mon père. Alors elle est fâchée avec son père, et elle me dit, si jamais, Kélo, je donne ma langue de feu, vous voyez l'ambiance, je donne ma langue de feu, je jure que si jamais je fais quelque chose à mon père, je profiterai plus de toi. Elle n'est pas fâchée contre moi, elle est fâchée contre son père, et elle veut s'interdire de manière ferme qu'elle ne va plus faire quoi que ce soit de son père, sinon elle va se mettre dans une galère de ne plus profiter de moi. Donc en fait, concrètement, elle n'a rien contre moi. Il y a quelque chose contre son père. Mais puisque de nouveau, quelle va être la conséquence directe de son éder, c'est que finalement ça va m'affecter à moi.
que d'une manière ou de l'autre, soit parce que je suis la condition par laquelle son père va être interdit, soit parce que le fait qu'elle va plus profiter à son, elle va plus faire quelque chose à son père, ça va m'affecter à moi qu'elle va plus être interdite de profiter de moi. Dès que ça touche un petit peu à moi, je peux annuler. C'est le tridouche de la Mishnah. D'accord, vous avez compris le principe? C'est vraiment pas compliqué dans la mesure où, si vous vous rappelez de la Mishnah Delet, ça m'a vite, on a vite compris le principe en fait, que concrètement, ce qui touche à son père, elle peut pas l'interdire. Ce qui touche à moi, je peux le mari ne peut pas annuler. Ce qui touche à son père, le mari ne peut pas annuler. Ce qui touche à moi, je peux l'annuler. Lorsqu'elle conditionne l'un par l'autre, quel que soit le contenu du neder et quelle est la condition, si finalement, au bout du compte, c'est moi qui vais me sentir, qui vais m'entendre dans la situation, qui va être affecté par son neder, même partiellement, dans ce cas-là, j'annule le neder, parce que dans ce cas-là, ça me rentre dans le cadre du Devarim chez Benoît le Bénin. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.